aime tant des nouvelles là. Sougui n'aime tant des paroles là. Nangui n'aime tant des nouvelles là. Sougui n'aime tant des paroles là. Bonjour tout le monde, jeudi, c'est vendredi 6 avril 2018. C'est 5e sortie nouvelle natif natal pour semaine là. Nomi Koua pour présenter au lycée moi-même. Fedia Sama. Nouvelle natif natale sur Radio Guinée chaque matin 6 heures après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6 heures, yo expérience natif natale. Point à développer dans le journal sa Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine déposé officiellement devant bureau Sénat République l'an 3 projets de loi dans cadre d'une séance plénière qui était réunie 17 sénateurs journée jeudi 5 avril là, un projet de loi qui concernait organisation administration publique là. Ministère Santé publique et population remet jeudi 5 avril 2018 là plusieurs kits sanitaires by agence santé communautaire polyvalent qui sorti dans différentes communes dans une cérémonie qui déroulée dans centre convention Banque République d'Haïti. 72 commissaires police recevoient diplôme yo jeudi 5 avril là dans cadre d'une cérémonie qui déroulée dans l'Académie police l'en route frère en présence Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine. Responsable dans Food Fort Depot signé jeudi 5 avril 2018 là un protocole accord dont 6100 tonnes du riz à ambassadeur Chine Taiwan accrédité en Haïti à Rochengao. Ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte répond à une question juge d'instruction Jean-Wilner Morin jeudi 5 avril 2018 là dans cadre enquête la justice a peiné sur assassinat Alix Junior Gasson. Dans le commencement du journal, on a bien prévision météorologique, 7 heures prévision astrologique avec information sportive qui aurait été branchée dans le tonnerre. Si vous pas attendez une nouvelle sur Radio Guinée, qu'on est pas invité Radio Guinée. Et puis tout, qui moun qui a fait actualité à qui pas d'arrêt mais passer voile sur Radio Maman Pemba. Easy, hey, mais soit t'attendre, soit j'ai manqué à dire, t'es qui t'easy. Soje Bank vina ou compte épargne qui relè Soje Easy pour la vie ou plus facile. Ak Soje Easy ou tranquille, ou posé, tout bagay a plus simple, plus rapide, quitte se pour ouvrir compte lan, quitte se pour faire transaction. Nan Soje Bank, nan tout bureau Soje Express ak agent autorisé nan 4 coins pays a, ou en sécurité. Et puis Soje Easy vin tout paré à 4 li et on paquet service tant kou ATM, Soje Mobile, paiement kay commerçant et latrier. Kouri ouvri Soje Easy nan sikisal Soje Bank ki pi pre ou la pou la bank an Haiti vin easy. Radio Guinée, fok ou Guinée pou imite Guinée. Si ou pa Guinée, même l'on ap imite Guinée ou pap jam ka Guinée. C'est seulement Guinée ki Guinée. Yo expérience natif natal, sans mélange, 100% haïtien. Il fait 6h à 11 minutes. Une autre fois, bonjour tout le monde, mais développement nouvelle là. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Navagin pour nous venir avec bulletin météo pour nan mi-temps journal long n'a démarré avec information au Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine participé jeudi 5 avril 2018 là dans graduation 72 commissaires police cérémonie en déroulé dans Académie police en route frère Pétionville en présence président de chambre dans parlement directeur Académie police là commissaire divisionnaire Francine Moreau dans occasion encourager nouveau commissaire yo mettez connaissance à compétences dans service PNH. Je suis très honoré de pouvoir vous accueillir cette enceinte pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie qui consacre l'aboutissement d'énormes efforts et sacrifices consentis par ces 72 élèves commissaires dont l'objectif est d'intégrer le dernier niveau de la hiérarchie policière, à savoir le corps de conception et de direction de la police nationale d'Haïti, communément appelé le corps des commissaires. Commissaire de la 5e cohorte. Nous pas qu'à tolérer comme chef, comme responsable, que policiers nous ont gagné une série de comportements. Donc, parler à moun mal dans le commissariat, ou bien pas prendre à moun, venir travailler n'importe qui, genre, bab dans figui,
uniforme chiffonné, petit bonnet en tête, zam dans pantalon. Rete chita dans commissariat pendant que population la gè pou kont li dans la ria. En bas tout à tout fait, tout plimay. Ou bien rete campé dans la ria, a fait toute l'autre bagaille. Tant kou, bay blague, parler dans téléphone au lieu que yo bay population service qu'il paye nous pour li a. Avec déploiement promotion ça, moi vle re changement. C'est seule façon pour peuple là, premier ministre là, président, directeur général là, académie, ouais que académie te fait un bon travail. C'est seule façon pour faire honnête l'école nous, pour faire fierté l'école nous. Messieurs, dames, commissaires, prenez tête nous. Comprendre que dans la société, ça n'a pas un rien qui a remplacé nous, les n'a fait travail nous. Votre mission est existentielle pour la nation. Au tap côté commissaire divisionnaire français Moreau, qui est directeur académie police. Ambassadeur Canada accrédité en Haïti, André Fonette, dans l'intervention, dit autorité canadienne a continué à accompagner l'État haïtien dans renforcement et professionnalisation police nationale. En septembre 2017, le Canada a approuvé la prolongation et l'augmentation budgétaire du projet FIPCA-PNH. Cette prolongation vise principalement à consolider l'atteinte des résultats attendus, tout en mettant une plus grande emphase sur la problématique de la violence basée sur le genre au sein des pratiques courantes de gestion de la PNH. Cette prolongation s'inscrit non seulement dans la politique féministe du Canada, mais s'aligne également aux priorités du gouvernement haïtien dans le domaine de la paix et sécurité, par sa contribution à la professionnalisation de la PNH. Pour y arriver, il s'agira d'abord de consolider et de renforcer les capacités opérationnelles, pédagogiques et administratives de l'Académie nationale de police en intégrant les principes de bonne gouvernance, d'égalité entre les femmes et les hommes et de développement durable. Et deuxièmement, de renforcer les capacités institutionnelles de la PNH, notamment les capacités de gestion des cadres. Le projet a porté des résultats importants à date et continue son appui à la PNH sur quatre volets. Premièrement, nous avons construit les locaux dans lesquels la formation a pris place. Deuxièmement, nous perfectionnons ensemble la pédagogie basée sur l'approche par compétences. Troisièmement, nous accompagnons la PNH dans la mise en œuvre de la structure organisationnelle et administrative de l'Académie. Et finalement, nous appuyons la PNH en mettant en œuvre la structure de gestion de l'ANP. La formation et le perfectionnement des cadres de la police nationale est au cœur de la professionnalisation de la PNH, un objectif clé de votre plan de développement. Ces cadres bien formés offrent à la population un service plus équitable et de meilleure qualité. Ceci favorise un meilleur respect et une plus grande confiance de la population envers les cadres de la PNH. À long terme, c'est le développement social et économique, c'est la démocratie et ce sont les droits humains qui en bénéficieront. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Directeur général, chers amis, chaque jour, nous avançons. Notre présence ensemble à cet événement reflète l'expression de la volonté d'Haïti et du Canada de maintenir et de renforcer notre collaboration et notre partenariat dans le domaine de la sécurité. C'était ambassadeur Canada accrédité en Haïti, André Fonette. Commandant en chef police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, m'a dit nouveau commissaire. Pas travail à capation, mais prend la loi comme boussole dans toute décision à prendre dans nos institutions policières. Nous voulons des leaders avisés, éclairés, lucides, cultivés, qui voient en chaque subalterne un élément à encourager et non un ennemi potentiel. Nous voulons des hommes et des femmes d'action. Car suivant le mot de l'abbé Courtois, qui se perd de mots, se perd de vent. Nous voulons du vrai leader. Avec des idées géniales, mais aussi des hommes et des femmes honnêtes,
avec une vision qui sera pour les exécutants ce que le phare est pour le navire. Nous voulons notre sein des citoyens et des citoyennes apolitiques avec un style de leadership qui s'évalue à l'aune des services rendus à la population et non à l'aune des services rendus à eux-mêmes. En gros, nous voulons des techniciens de la sécurité publique dans une police professionnelle qui respecte les droits de la personne humaine. Diriger, ce n'est pas mener une bataille rangée ou une guerre du siège contre les autres. C'est mettre ensemble les ressources humaines et savoir tirer le meilleur parti de chacun. N'ayez pas peur de vous entourer de gens capables. Faites preuve de leadership qui varie avec la situation à gérer, car il faut toujours contextualiser. Élève commissaire, je vous invite à développer le sens de la communication et du service public avec un support et une conduite personnelle au-dessus de tout soupçon. Vous serez à la fois supérieur et subalterne. Vous devez savoir moduler votre comportement aux circonstances avec un sens aigu de la communication et du respect de la hiérarchie. Pour paraphraser le général français Augustin Dubail, le bon commissaire doit allier au plus haut degré l'esprit d'obéissance à l'esprit d'initiative. Vous avez écouté commandant-chef police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, gain commandant 5e cohorte commissaire police, Marie-José Constant Luxama, qui était passé en revue séance formation nouveau commissaire, yo promette yo pral travail pour renforcer institution policière. Le 20 décembre 2016, la direction de l'Académie nationale de police a organisé un concours à l'intention des inspecteurs divisionnaires pour l'obtention du grade de commissaire de police. C'est le résultat de ce concours qui a consacré la 5e cohorte d'élèves commissaires. C'était dans une atmosphère de bon enfant que les 73 inspecteurs divisionnaires issus du dit concours se trouvaient le 9 juillet 2017 suite à l'appel du directeur de l'ANP pour prendre part à la formation du programme 220 des cadres de la PNH qui s'échelonne sur une période de 9 mois. Ces cadres intermédiaires, issus de tous les départements, de toutes les directions techniques et unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, qui ont presque 22 ans d'expérience, se sont trouvés au Temple du Savoir, qui a pour credo le savoir et le savoir-être au service de la sécurité. Pour, d'une part, acquérir de nouvelles connaissances en gestion de sécurité et d'autre part, partager leur expérience dans une ambiance d'approche par compétences. Cette expérience nous permet de découvrir des têtes bien faites dont leurs carrières sont déjà jalonnées de hautes fonctions et de grandes responsabilités que nous ne pouvons énumérer et qui veulent se consacrer à une plus grande échelle au service du pays. À l'aube de la formation, l'un d'entre nous fut passé à l'autre bord. Malgré cela, chacun des 72 commissaires ici présents gardera à jamais, comme au beau vieux temps de notre formation initiale de police, les souvenirs de cette année académique très enrichissante, empreinte de cordialité, de fraternité, de jovialité, de tolérance et d'entraide. Marie-José Constant Luxama, c'est commandant en 5e cohorte, commissaire police l'an. Premier ministre haïtien, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, dans le discours pour circonstances l'an, mettait accent sur le défi captant de nouveaux commissaires policiers. Chef gouvernement Jacques-Guy Lafontaine profite de lancer appel à tout secteur dans la vie nationale là pour accompagner l'exécutif dans le travail pour renforcer l'institution publique. Cérémonie de graduation de la 5e promotion d'élèves commissaires accueillis ici à l'Académie nationale de police. Permettez-moi de vous dire ma joie, car ceci est la preuve, malgré les énormes obstacles et défis que peuvent rencontrer notre police, que
que nous avançons peu à peu vers sa modernisation et sa professionnalisation, dont la mission première de l'ANP est de donner une formation de qualité au cadre supérieur et intermédiaire de la police nationale d'Haïti, aux spécialistes désignés et envoyés par la PNH et aussi au recyclage des commissaires et inspecteurs. Si au début de mon discours, j'ai exprimé ma joie, mais pas ma satisfaction, la police nationale fait face présentement à d'énormes défis qui entravent sa marche vers la modernisation et la professionnalisation. L'Académie nationale de police ne peut répondre à la formation que d'une centaine de policiers en rapport avec sa capacité maximale, alors que plus d'une centaine, des centaines de cadres, pour la plupart des inspecteurs de police, sont en attente de formation. Ainsi, le projet de construction du campus de Gantier s'avère plus qu'une nécessité pour permettre à l'Académie d'accompagner de manière efficace le processus de professionnalisation de la PNH. Cet objectif est indispensable pour l'amélioration du climat sécuritaire du pays, en permettant à la PNH d'offrir un meilleur service à la population. Et que dit encore de ces policiers qui émergent des services faits sans savoir quand leurs indemnités compensatrices pour leur déploiement leur sera allouée. Cependant, l'heure n'est pas au découragement. Votre présence ici, en ces lieux, signifie que nous luttons pour l'amélioration et nous assumons. De même, les infrastructures de la police doivent être repensées. Beaucoup de nos locaux abritant les commissariats ne sont pas adaptés et ne répondent pas aux normes d'équité femmes-hommes. Chers commissaires, chers récipiendaires, chers gradués, permettez que je me distrais un moment. Ma parole, qui devrait vous être totalement consacrée, pour m'adresser à mes frères et sœurs haïtiens. Frères, sœurs haïtiens, haïtiennes, quel que soit chapitre politique côté yé, avec un rameau d'olivier dans main nous, m'emandez-nous pour nous accompagner vision président de la République, pour nous rejoindre administration Moïse Lafontaine dans caravane changement pays. Premier ministre haïtien Dr. Jacques-Guy Lafontaine est parlé concernant cérémonie graduation 72 commissaires de police non local Académie Police en route frère Pétionville. 6h26 minutes, information et WAP continue. Responsable dans Food for Depot, signé jeudi 5 avril 2018, là, y a un protocole accord dont 6100 tonnes durées avec l'ambassadeur Chine Taïwan accrédité en Haïti, Ho Cheng Gao. Cérémonie en déroulée dans le local Food for Depot, sur route aéroport, en présence ministre Affaires sociales et travail, Stéphanie Auguste. Gouvernement haïtien a recevoir 500 tonnes dans 6000 tonnes durées. Directeur exécutif Food for Depot, Monseigneur Auger Beauvoir remercier gouvernement taïwanais qui toujours répond favorable à la demande Food for Depot. Monseigneur Auger Beauvoir dit don du RISA pour faciliter Food for Depot assister monde qui plus vulnérable dans le pays. Je suis à ma troisième année comme directeur exécutif. Troisième exercice de signature de protocole d'accord avec le gouvernement taïwanais. Comme je crois que c'est Horace qui l'a dit dans son art poétique, bis repetita placent. Les choses répétées et redemandées plaisent. Ça veut dire quoi? L'événement que nous rassemble a plu, plaît et plaira certainement demain. Auquel cas, c'est bon de reprendre, de refaire les demandes chaque année et de répéter l'exercice chaque année. Ça plaît parce que le partenariat avec le gouvernement taïwanais et le peuple taïwanais fournit l'occasion à Food for the Poor, l'occasion pour nourrir des milliers
d'enfants, des milliers de personnes âgées, malades. Bref, ce don, Henri, du gouvernement taïwanais, nous aide vraiment à répondre à notre mission qui est de venir en aide aux plus nécessiteux de la société. Toutes ces personnes que nous desservons, par mon organe, monsieur l'ambassadeur, vous dit merci. In pectore, du plus profond de mon cœur, merci infiniment. Je vous prie de transmettre nos remerciements à votre présidente et à son gouvernement. Nous espérons que ce partenariat, et ce que je vais dire va être un peu paradoxal, que ce partenariat va durer encore des années, heureusement, malheureusement. Heureusement, parce que nous avons toujours besoin de quoi à nourrir les plus faibles de notre société, et malheureusement, dans le cas où le décollage du pays n'arrivera pas en temps souhaité. Donc, je crois que, quel que soit l'avenir, ce partenariat entre la République de Chine, Taïwan, et Food for the Poor, maintenant, avec comme témoin le gouvernement haïtien à travers la présence de la ministre des Affaires sociales et du travail ici, c'est quand même un partenariat qui rend service à la société, qui exprime l'esprit de partage du peuple taïwanais et sa volonté de faire en sorte que les Haïtiens vivent mieux leurs difficultés, passent leurs difficultés, pouvoir espérer, travailler et changer le cours de leur destin. Donc, encore une fois, merci infiniment et je souhaite de tout cœur que notre partenariat continue dans l'intérêt de ceux et celles que nous servons. C'était directeur exécutif Food for the Poor, Monseigneur Auger Beauvoir, ambassadeur Chine-Taïwan en Haïti en Rouchenga. On fait qu'on est livraison 6100 tonnes d'urine a commencé à partir du mois de mai cap Vinila. Ambassadeur Rouchenga a souhaité coopération gouvernement taïwanais avec Food for the Poor intensifier relations entre deux pays. Monsieur Rouchenga dit pour l'année 2018, le gouvernement taïwanais a fait don 7000 tonnes d'urine à Haïti cap évalué à environ 7 millions de dollars américains. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour signer l'accord de don de riz avec le Food for the Poor afin de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et à la pauvreté en Haïti. Le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, fait cette année un don de 6100 tonnes de riz à Food for the Poor, dont 500 tonnes seront offerts au gouvernement haïtien par des divers programmes d'assistance en faveur des Haïtiens défavorisés. Et je voudrais profiter de cette occasion à remercier Food for the Poor pour sa contribution de la prise en charge financière et son assistance dans la procédure de livraison pour le riz destiné au gouvernement haïtien. Il faut souligner que le gouvernement taïwanais fait le don de riz, du riz en provenance de Taïwan à Food for the Poor depuis 2007 pour les opérations d'assistance alimentaire en Haïti. Et c'est une relation permanente de coopération si excellente et si heureuse entre nos deux parties. Et comme vous pouvez témoigner, Food for the Poor, en tant que l'ONG internationale renommée, est bien dynamique et visible en Haïti depuis 1986. Au autre côté, ambassadeur Chine-Taïwan en Haïti, Hu Chenghao, ministre Affaires sociales et travail, Stéphanie Auguste, Bokotepal, fait qu'on a une signature accord dont Durissa a témoigné volonté gouvernement taïwanais pour continuer à accompagner gouvernement haïtien. Madame Stéphanie Auguste dit dont Durissa prend la facilité autorité haïtienne à aborder problèmes qui plus urgents. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le gouvernement haïtien et le gouvernement de Taïwan, encore une fois, de montrer ce partenariat, cette amitié vraiment de longue date entre ces deux pays. Et à travers le Food for the Poor, depuis déjà 11 ans, Taïwan à ce lien étroit. Et en tant que représentant du gouvernement, je suis là comme témoin pour assister à cette signature, encore une fois, l'acte, la volonté de Taïwan de tenir la main forte au gouvernement haïtien. On vous remercie et comme l'a dit Monseigneur Auger, tout ce qui plaît, c'est parce que ça a été demandé, c'est encore nécessaire et on pense qu'à l'avenir, ça apportera encore beaucoup de succès.
Au sort côté ministre Affaires sociales et travail Stéphanie Auguste dans cadre cérémonie signature accord dont 6000 tonnes de riz entre ambassadeur Chine Taïwan en Haïti Hu Cheng Ao à Food for Depot 6h33 minutes juste avant nous prendre pause là nous gagnons en ligne avec nous madame Chrisnette Saint-Georges qui pourra parler nous de conditions temps. Bonjour madame Chrisnette. Bonjour auditeur auditrice Radio Guinée. Mais comment situation météo a présenté la Caraïbe Black sous Atlantique là? Nous toujours gagnons environnement qui est bombardé avec humidité et instabilité. Ça vient suite avec un creux de basse couche qui est même retrouvé col dans la partie nord de l'île d'Haïti. C'est ça qui pourrait faciliter le département centre, la Tibonite, l'ouest, sud-est, sud, NIP, Grand-Anse, bénéficier activité la pluie dans fin après-midi à Kachoya, même pour reste week-end. Matin, nous le fait avec des départements bombardés avec nuages, à bien nuages qu'on après-midi à Kachoya. Température vacille entre 28 et 30 degrés Celsius. La tombée de nuit là, en moyenne, entre 18 à 20 degrés Celsius. Pour Port-au-Prince, à zone qui entoure nous, on a pleuvé avec un ciel cap des nuages. On a des nuages l'après-midi, à Kachoua, température, il y a élevé à 30 degrés Celsius, la tombée dans la nuit là à 20 degrés Celsius. Activité la pluie a continué de tomber dans Port-au-Prince encore. Pour Assouya, Akman Nuitlan, même pour samedi soir, il y a possibilité, même pour dimanche soir. Pour l'homme, il y a pas de voilier, yo. Tichaloup, yo, souple, bois fouillé, yo, prend précaution. Zone côte nord, golf Lagonave, à zone côte sud. Soleil, là, la pleuve, il y a des départements qui pas brûlent encore à 6h39 et la couche à 7h04 pour lever samedi matin à 6h38 pour le coucher samedi soir à 7h04 pour lever dimanche matin à 6h40 et pour le coucher dimanche soir à 7h04. C'est là, n'a pas battu en bout dans l'information météorologique, on a promis ce chiffre, toute équipe là. Auditoire Radio Guinée, nous souhaitons passer un bon vendredi avec une excellente fin de semaine. Rendez-vous pas maintenant, c'est pour l'autre semaine, pour l'autre information qui a été pour loin. Nos affaires météo. Bon week-end. Merci, Madame Chrisnette Saint-Georges. Au même tout, passez une bonne journée avec un excellent week-end à Compagnie Radio Guinée. 6h35 minutes, nous observons pause Naptone. 200 ans de naissance de Charles Gounod. Père de la mélodie française, 1818-1893. Hommage à Émeraude de Pradine-Morse, 1918-2018. Grand concert de Pâques, l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, au Caribe Convention Center, le dimanche 8 avril 2018 à 6h PM. Direction, Rudy Perrault et Pierre Leroy. Au programme, les œuvres folkloriques haïtiennes et les œuvres de Charles Gounod. Soliste, Valérie Boutus-Nérette, soprano, Anne-Lydia Louis-Gène, soprano. Les cartes sont en vente à Fiesta et l'École de musique Sainte-Trinité en ville et à Pétionville. Admission, 1500 gourdes. N'oubliez pas, grand concert de Pâques, l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité. Au Caribe Convention Center, dimanche 8 avril 2018 à 6h PM. Monsieur Albert, pour jamais voisin Charles pressé pour aller payer taxi dans le DGI, expliquez-moi, il y a un bagage qui a réglé. Oh non, Marie, toute citoyenne, conséquent, connaît ses devoirs pour aller payer taxes dans le DGI. C'est ça qui est le service fiscal. C'est parce que voisin honnête avec tête lui qui fait prendre responsabilité comme citoyen pour aller payer taxes li à Kepol dans DGI. Et puis tout, comme ça, il évite problème. Eh bien monsieur Albert, faut que tout citoyen ta fait même Jacques voisin pour y aller payer taxes dans DGI. Parlez-moi de ça quand même. Citoyen, si tout bon veut nous pays nous développer, nous prêt payer taxes à Kepol dans DGI et puis relax. Campagne ça réalisé grâce à support Union européenne avec expertise France. Professionnel avisé, vous prévoyez occuper des positions à grande responsabilité? Alors participez à la formation universitaire incontournable, le MBA, Master of Business Administration, ou maîtrise en administration des affaires, offerte par l'Université Notre-Dame d'Haïti.
Les postulants devront déjà disposer d'un diplôme de premier cycle et avoir une expérience de travail d'environ 5 années, sauf les jeunes lauréats candidats à la bourse d'excellence. Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au 21 mai 2018 à Port-au-Prince pour l'aire métropolitaine et au Gonaïves pour le Grand Nord. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet www.mba-undh.edu.ht ou appelez le 48 84 88 88. MBA UNDH, la route vers l'excellence managériale. Formidable! Nouvelle natif natale sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience natif natale. 6h38, information. On va continuer. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine déposé officiellement devant le bureau Sénat République là, trois projets de loi dans le cadre d'une séance plénière qui était réunie 17 sénateurs journée jeudi 5 avril 2018 là. Il y a un projet de loi qui concernait organisation, administration, l'État. Il y a un projet de loi qui concernait organisation ak fonctionnement Fonds Solidarité Nationale pour Intégration Mon Handicapé yo, ak yon projet loi qui fixe statut général fonction publique lan. Chef gouvernement Dr. Jacques-Guy Lafontaine a exposé des motifs lan devant l'Assemblée sénateur yo. Fait qu'on ait trois textes de loi sa ou gen pile importance sous plan social pour changer conditions vie population an, et puis rendre administration publique la efficace. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine mandé sénateur yo voter trois projets ça non intérêt population. Nous nous sommes laissés guider par cette triple orientation lors de la conception et l'élaboration du texte, à savoir l'objectif du présent projet de loi est l'avènement d'une fonction publique de proximité, transparente et efficace à l'égard des usagers et motivante pour les fonctionnaires qui seront évalués, jugés sur la base de leurs mérites et de leurs performances. Les principes fondamentaux ayant servi de base à l'élaboration de ce projet de loi ont été de rehausser le prestige de la fonction publique haïtienne par une meilleure protection des fonctionnaires et par voie de conséquence, rehausser la dignité de ses agents. Renforcer les droits et obligations des fonctionnaires, restructurer les emplois, les catégories et les grades au sein de la fonction publique, prendre en compte les aspirations des usagers du service public. Les idées forces de ce projet de loi sont la dépolitisation de l'administration publique par le respect du principe d'égalité à l'accès dans la fonction publique, l'obligation de neutralité pour tout fonctionnaire, l'organisation des organes de formation par l'obligation pour l'administration de planifier les besoins en formation et d'élaborer un plan de carrière en faveur des fonctionnaires, l'introduction des acteurs de la société civile au sein des organes de la fonction publique et enfin l'instauration de nouveaux avantages sociaux. C'est précisément pour ces raisons que des modifications ont été proposées et que ce projet de loi est soumis à votre vote. Ce projet de loi place le fonctionnaire au sein des priorités de l'administration publique en vue de la fourniture de meilleurs services à la population. Compte tenu des besoins et des situations expérimentées dans la vie du fonctionnaire, il a été vu la nécessité de prévoir les transferts comme mécanisme permettant aux fonctionnaires d'être au service de l'administration publique en général. Le projet de loi reconnaît sans embâge le rôle des directeurs des ressources humaines auxquels il incombe de veiller au respect de ces valeurs fondamentales dans le fonctionnement quotidien des services placés sous leurs autorités. Madame, messieurs les sénateurs, au niveau de sa structure, ce projet de loi comprend 213 articles répartis en 5 titres, eux-mêmes divisés en chapitres au nombre de 13, ceux-ci en sections, au nombre de 15 qui sont subdivisés en 9 sous-sections.
Pour ce côté, Premier ministre, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, à l'occasion de l'étape déposée officiellement devant le bureau Sénat République, trois projets de loi qui concernaient l'administration publique. Président Sénat République, Joseph Lambert, montré satisfait après Sénat République, arrivé à une harmonie nécessaire entre sénateurs pour recommencer à fonctionner normalement. Sénateur département Sud-Est, Joseph Lambert, qui a rencontré la presse jeudi 5 avril, fait qu'on a une entente qui joint entre sénateurs. Pour travail sur une dizaine de textes de loi, Sénat estimé qui prioritaire. Président Sénat Joseph Lambert dit il y aura le travail dans l'intérêt population. Parole qui était sortie dans la retraite, là, c'était pour dire que la parole est thérapeutique. C'était une façon pour que nous, tous sénateurs, comprennent et que je ne le dis quel que soit ce qu'a fait dans le Sénat République, là, il faut qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait contradiction. Il faut gagner, ça me décale les idées contraires. Et c'est lui-même qui était censé à la base de tout, et qui toujours été à la base de tout ça que nous constatons comme chambre assemblée qui est essentiellement politique. Retraite là, permettre que nous échangions, permettre que nous comprenions nécessité pour que le Sénat en tant qu'institution élevé à la hauteur de challenge démocratique, je ne veux dire de nous. Il doit faire face et comprendre toute nécessité pour que nous continuions à produire et nous continuions à faire œuvre qui vaille. Depuis que nous sommes en retraite, les gens que nous mettons d'accord dans la retraite, eh bien, nous mettons en débat rapport succinctement et échange de continuer à faire à travers rapport succinctement sur Petro-Caribé. Et par la suite, l'Assemblée, encore une fois, de façon souveraine, a prononcé sur le contenu de ça qui était gagné en dans le rapport succinct ça. Au fil du temps, eh bien, nous venons gagner, ça nous décarrer la conférence des présidents. Et dans la conférence des présidents, nous entendons sur un ensemble de textes de loi, que ce soit projet de loi qui voté en première lecture à la Chambre des députés, qui supposé voter en deuxième lecture au Sénat de la République, que ce soit des propositions de loi émanant des sénateurs ou des députés qui votaient ou bien qui pourront voter, eh bien, nous mettons d'accord sur un ensemble de 15 textes de loi que nous jugeons prioritaires. Maintenant, 15 textes de loi, ça, il y a environ une dizaine de textes que nous considérons comme des projets de loi. Le président a une volonté pour faire un remaniement ministériel. Même on dit un replâtrage, etc. Sous combien de ministres, pas combien de ministres, moi-même personnellement, tant que je t'ai dit, étant donné que je ne consulter de façon formelle, tout comme le président doit choisir tout pour ne pas consulter, nous sommes droit que le gagnant pour lui remanier le cabinet ministériel sans pas consulter personne. Mais nous sommes droit tout que moi-même, tout comme sénateur, je gagne tout pour que je finisse faire remaniement cabinet ministériel. Et puis, deux heures d'après, pour m'écrire le premier ministre, et puis pour me dire, vous voyez tout le dossier, monsieur, ça va venir ici, monsieur Damio, venir ici, éventuellement. Et puis pour nous garder, pour nous voir, si pas un tchécoslovaque là-dedans, si pas un tchèque, si pas un russe, et puis pour nous garder, pour nous voir, est-ce que nous sommes ministre ou est-ce que le baka ministre. Comme tu as suggéré vivement à ce que, vu la bonne entente qu'il y a aujourd'hui entre le pouvoir cap dégagé, entre le pouvoir législatif là, avec le pouvoir exécutif là, tu as de bon ton pour que au moins nous toujours kembe relation ça. Mais c'est l'exécutif là qui a choisi pour qu'on ait qui j'en ai mais kembe relation ça. Et c'est nous-mêmes de bon côté pas, nous capables de déterminer tout quel type de relation tout harmonieuse que nous avons. Le gouvernement est soufflé. C'était président Sénat République là, Joseph Lambert. L'autre information, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte répond à invitation juge d'instruction Jean-Wilner Mourin jeudi 5 avril là dans cadre enquête la justice a mené sous assassinat Alix Junior Gasson, ancien cadre ministère planification, maître Mario Delcy qui s'est avoué ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui t'a répondu question la presse fait qu'on est ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte c'est un citoyen qui respectait la loi pays li. Cependant maître Delcy expliqué ancien chef gouvernement sous administration président Michel Joseph Martelly a pas gain rien pour le voir sous ça qui t'est passé ancien avocat. On a fait nous connaître que Laurent Lamotte, tant que tout l'autre citoyen, un bon citoyen, il était décidé répondre à toute question magistrat instructeur là Jean-Wilner Morin. Vraiment important pour que M. Laurent Lamotte, qui est ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre planification, lui réponde à la question juge là. Mais nous comprenons que l'instruction est secrète.
nous pas capable révéler nous qui ça qui était discuté en dedans public. C'est dans le cadre dossier assassin Alix Marie Junior Gassan. Nous voulons que ça clair pour tout le monde. Moi-même personnellement, comme avocat, ancien premier ministre Laurent Lamothe, nous tendons en pile bagaille qui a parlé au niveau de la presse. Nous avons fait nous connaître, nous avons fait ça clair pour toute population, pour toute la presse qu'il a, que M. Laurent Lamothe n'a pas eu rien à voir, ni de près, ni de loin, dans la question de la mort d'Alix Marie Junior Gassan. Et qui s'est reproché lui-même? Excusez-moi, nous on a répété pour nous encore que juge là tirer les noms pour nous répondre sous question ça. Et si nous te lis information, et après que c'est pas un mandat de comparution, c'est une invitation. N'importe qui monde qui était en fonction à l'époque dans l'État, juge a le droit de décider pour demander est-ce que il connaît certaines informations. Non. Et lui-même il vient là, il répond à toutes questions que il t'a posé lui et nous capable là, lui sorti c'est aller que nous pour aller. Mais ça qui est clair pour nous prenons nous a dit que et Laurent Lamothe, puis on a parlé de Petro-Caribé, nous pas qu'on a fait Petro-Caribé que n'a pas là et nous même cap dit lui. Laurent Lamothe, lui commencé gérer fonds Petro-Caribé en août à partir du mois d'août 2012. Ça a l'idée clair et nous apprendre que monde qui mourit a dit va mourir depuis le mois de février. C'est 6 mois après que M. Laurent Lamothe lui commencé à gérer fonds Petro-Caribé. Nous pas parler de connexité ensemble avec Petro-Caribé. On pas connaît, nous pas jamais de connexité à. Nous même nous répondre, nous pas prendre connaissance de plainte là, nous pas capable élaborer là-dessus. Merci beaucoup. Au tap côté, Maître Mario Delcy, qui c'est avocat ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamothe, qui était répondre à l'invitation juge d'instruction Jean Wilner Morin, jeudi 5 avril, là, dans le cadre d'enquête. La justice a mené sur assassinat Maître Alix Junior Gassan, ancien cadre ministère planification. 6h49 minutes, moment pour nous observer une pause d'abtonin. Match l'arrivée dans la prolongation. Gardons ma cage. Filarios en difficulté. Il déjà prend carton rouge. Dans 117 communes. Médicaments efficaces. Il tue tout hiver Filarios. Moustique qu'a metté dans le sang. Port-au-Prince, Delma, Tabar, c'était soleil, Carrefour. Nous, d'ailleurs, oui, là. MSPP à l'attaque. Oui, gardons intérieur. Pas de gros pieds. Macloclou, Retsouban. Bonboul. Médicaments contre Filarios. A distribué. Voilà, caillou. Vancé. Tabar, c'est pour 26 avril. Il glisse, c'était soleil. Le 3 mai. Qui dégage elle sous Port-au-Prince. Le 10 mai. Wololoy. Coup de tête pour Carrefour. Le 24 mai. Qui traverse elle sous Delma. Le 30 mai, Mendec, Melbendazol, danger pour Filarios, Metel Grasse! Un message, ministère Santé publique, ak population. Nouvelle natif natale sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yon expérience natif natale. 6h51 minutes, information va continuer. Ministère Santé publique et population, dans le cadre d'une cérémonie symbolique, remettre jeudi 5 avril 2018 là, dans le centre convention BRH. Là, plusieurs kits sanitaires et agents santé communautaire polyvalents qui sortent dans différentes communes. Activité ça a été déroulée en présence représentant au PSOMS en Haïti. Ministre Santé publique et population, Dr. Marie Greta Roy Clément, dans l'intervention, l'a fait connaît. Mission agent santé communautaire polyvalent, c'est travail de concert avec ministère santé publique pour bail premier soin dans chaque commune. Cette cérémonie de lancement officiel du modèle d'organisation des soins de santé communautaire et du déploiement des agents de santé communautaire polyvalent, connu sous l'acronyme ASCP, n'est pas un simple rituel, mais s'inscrit dans une dynamique de changement de paradigme pour la promotion de l'accès universel aux soins de santé.
En effet, après les multiples dommages causés par les catastrophes naturelles de 2010 à 2016 sur la vie des citoyens et citoyennes de notre pays et leur impact sur le système de santé, le gouvernement haïtien, à travers le ministère de la Santé publique et de la Population, s'est approprié ce modèle de soins à base communautaire pour faciliter l'accès de proximité à un paquet essentiel de services au bénéfice de nos frères et sœurs. La stratégie des soins primaires de santé basée sur la promotion, la prévention et le soutien-conseil vise l'amélioration de la qualité de vie des populations. Les ASCP sont considérés par plus d'un comme le premier maillon de la chaîne de soins au premier niveau de la pyramide sanitaire. Ils vont certainement, par la diversité de leurs interventions, nous aider à réduire considérablement le nombre de décès communautaires, notamment ceux liés à la grossesse et à l'accouchement. Nous nous sentons donc fiers et honorés aujourd'hui de vous présenter ce modèle d'organisation des soins et services communautaires. Ce dit modèle a pour épicentre l'équipe santé de famille ESF, dont la SCP reste et demeure un élément important autour duquel gravitent tous les services et les soins de proximité à la population. Il doit être apprécié comme un investissement de l'État haïtien ainsi que ses partenaires dans les ressources humaines en santé en vue de procurer ce bien précieux aux communautés les plus faibles et les plus vulnérables, selon le vœu de l'article 14 de la Constitution qui fait obligation à l'État de garantir à la population le droit à la santé et la vie. Dans cet ordre d'idées, pour la mise en place du modèle défini, l'État haïtien, au prix d'immenses efforts, commence à absorber graduellement les ASCP et les auxiliaires infirmières polyvalentes AIP ayant bénéficié d'une formation suivant les standards du ministère. Toutefois, il est à noter que le travail à abattre est énorme et ardu, car pour une couverture totale du pays en ESF, le système sanitaire haïtien aura besoin en moyenne de 8000 ASCP. Au tap côté ministre Santé publique et Population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément, nous mettons en bout dans la nouvelle pour matin. Dans quelques secondes, c'est pour le rappel de situ. Nous n'aimons tant de nouvelles là, sous qui n'aiment tant de paroles là. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine déposé officiellement devant bureau Sénat République l'an 3 projets de loi dans le cadre d'une séance plénière qui était réunie 17 sénateurs jeudi 5 avril l'an. Il y a un projet de loi qui concernait organisation administration publique l'an. Il y a un projet de loi qui concernait organisation et fonctionnement fonds solidarité nationale pour intégration moun handicapé et un projet de loi qui fixait statut général fonction publique l'an. Ministère Santé publique et Population remet jeudi 5 avril 2018 là, plusieurs kits sanitaires par agence santé communautaire polyvalent qui sortit dans différentes communes dans une cérémonie qui déroulait dans centre convention BRH là. 72 commissaires police recevoir diplôme yo jeudi 5 avril 2018 là dans cadre yon cérémonie qui déroulait dans l'académie police la route de Frère Pétionville en présence premier ministre haïtien docteur Jacques-Guy Lafontaine.
Responsable dans Food Fort Depot signé jeudi 5 avril 2018. Là, il y a un protocole accord de 6100 tonnes du riz comme don à l'ambassadeur Chine Taïwan accrédité en Haïti, en Monsieur Hu Chenggao. Ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte répond à une question juge instruction Jean-Wilner Morin jeudi 5 avril 2018. Là, dans le cadre d'enquête, la justice a mené sous assassinat Alix Junior Gasson, ancien cadre dans le ministère. Planification. C'est tout notre ça. Nous mettons en bout dans la cinquième sortie Nouvelle Natif Natale pour semaine, les amis auditeurs. Nous remercions pour écoute ou attention. Merci pour fidélité au RAC Radio Guinée. Restez branchés pour l'autre programme. C'est droit pour qu'on ait son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires d'information, Radio Guinée, pas la boule d'eau qui s'en moun vle dit, ni au dit, ni changé s'en moun dit. Nous faut entendre des gens qui font actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes ne sont pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ce qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natale. On met quoi nous dans les affaires d'information. Digicel a si même plus gros et plus bon avantage toujours sous ma chair. Nous avons un plan 20 good qui bat 25 minutes. Digi pour être connecté sous plus gros réseau pays. Alors, ça va attendre. Montez sur l'application My Digicel là, ou soit fait étoile 510 jeudi et puis choisis plan 25 minutes pour 20 good là. Et puis, parlez net à l'île. Puis, plus gros avantage sous plus gros réseau pays. Digicel. Groupe Croissance et Partenaires, BRH et Profine annoncent la tenue de la 8e édition du Sommet international de la finance et la 3e édition de FinTech, Finance et Technologie de l'information et de la communication, du 9 au 14 avril 2018 dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les thèmes de cette année, financer l'agribusiness en Haïti et Bitcoin, fiction ou réalité. Durant 5 journées consécutives au Caribe Convention Center, des experts nationaux et internationaux discuteront de la finance municipale, du financement nécessaire pour relancer le secteur agricole en Haïti de façon à satisfaire la demande locale et favoriser les exportations, des allocations au secteur agricole dans le budget national, du renforcement du crédit agricole dans le système bancaire haïtien et de l'importance des assurances dans le secteur agricole au cours de cette période dominée par le changement climatique. Deux événements importants parallèles auront lieu durant le sommet de la finance. Conférence internationale de la microfinance le mardi 10 avril au Caribe Convention Center et FinTech les vendredis 13 et samedi 14 avril au centre de documentation de la Banque centrale. Le grand rendez-vous annuel de la finance haïtienne est patronné par la BNC, DAI, Sofides, FDI, Ministère du Plan, le ministère de l'Économie et des Finances, USAID Haïti, Unibank, BUH, AIC, APN, Fast Forward, Conseil national des coopératives, Biansaya, Électroménager, Radio-Télé Caraïbes, RFM, Radio-Télé Métropole, Chocarella, Radio Ibo, Magic 9, Télé 20, Radio-Télé Guinée, Radio-Télévision 2000, Radio-Télé Pacifique, Radio Scoop FM, MCTV, Radio-Télé Quisqueya et Le National. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Auditeur Radio Guinée qui est aux États-Unis, ou qu'a coûté radio à gratis, ti chéri, n'importe qui l'est sous téléphone ou l'est ou relé dans le numéro 401-283-68-13. 401-283-68-13. Enregistrez numéro ça. 401-283-68-13. Radio Guinée à vos tout côtés. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous contentons la caillou pour nous porter pour vous. Eh bien, cinquième sortie, page sport natif natal pour ce maintenant. Jeudi, c'est vendredi, vendredi 6 avril 2018. Nous comptons tant que chaque jour pour que nous capables partager information sportive ensemble à coup. Mais bien avant, faut mal connaître comment m'a levé matin là. Faut mal connaître comment condition temps et faut mal connaître tout qui boule chance moi parce que m'a pas bay mon boule pour m'a une boule pam nan. Fidia, dégage non bay mon boule. Bonjour Wesner, bonjour tout le monde. Jean Wesner Dillon.
C'est cinquième sortie horoscope natif natal pour semaine-là. Mais juste avant, je n'ai pas habitué à faire ça. N'a poté pour vous, amis auditeurs, la pensée de Maître Omram, Michael Aivanov. Partout dans le monde, des hommes et des femmes s'occupent, s'affairent, se démènent. Ils appellent cela travailler. Et non, ils ne savent pas encore que le vrai travail, c'est de tendre vers la perfection du Seigneur. Toutes les facultés qu'ils possèdent, la volonté, le cœur, l'intellect, l'âme, l'esprit, leur ont été données pour progresser sur le chemin de cette perfection. Tant qu'ils ne l'auront pas compris, le monde présentera le spectacle lamentable des gens qui utilisent les facultés physiques et psychiques qu'ils ont reçues de la nature pour mal agir et se démolir. Mais quel sens, dites-moi, peut avoir une pareille existence? Comprenez que nous sommes appelés à participer à une entreprise sublime et vous saurez ce qu'est vraiment travailler le jour où vous mobiliserez toutes les facultés et les puissances qui sont en vous pour vous rapprocher du modèle divin. Rapidement, amis auditeurs, Saoudoué Kembe, de penser Maître Omram Lamatian qui parlait nous de travail. Maître Omram dit nous, donc, partout, il y a un pile de monde dans le monde qui occupe, femmes ou garçons, qui a pas démêlé, et dit ça, c'est ce travail. Mais non, vrai travail là, c'est qui s'allier? Vrai travail là, c'est chercher la perfection du Seigneur. Toute faculté qu'on possède, volonté, cœur, intellect, l'âme et l'esprit, vous te recevoir pour capable de progresser sous chemin. Perfection. Tout en temps pas comprendre ça, donc, les amis auditeurs, physique et psychiquement, spirituellement, et on a bien du mal pour connecter avec la nature. Donc, au besoin comprendre et ça où y est. Au besoin apprendre que vous devez participer dans un travail sublime et laisse ça automatiquement qu'on comprenne comment pour faire vrai travail là. Toute faculté à la puissance possible a sorti dans la force divine et vient accompagner pour permettre ou accomplir le vrai travail que vous avez pour faire. Jeudi, c'est 6 avril. 6 avril, c'est Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Donc, je dis, hein, les amis auditeurs, qu'à profiter, faites ce sport-là sous gain de temps parce que c'est Journée mondiale pour sport qui attire le développement avec la paix et qui prénom qui a pas fêté, c'est Marcelin avec prudence. Pas qu'un pays ni saint qui a pas fêté pour jeudi. Hein. N'a pas dit aux amis auditeurs, nous sous 96e jour et non année arrêté nous 269 jours et nous sous 14e semaine. Qui ça qui t'est passé un jour tant qu'aujourd'hui hein? Un jour tant qu'aujourd'hui en 6 avril, c'était 1795, Étienne Paul Vérel était mort. Étienne Paul Vérel, c'était membre commission deuxième commission civile là qui était gain deux autres membres à savoir Santonax et Aello. Donc un jour tant qu'aujourd'hui en tout, c'est en 1811, 6 avril 1811, édit créant et règlement noblesse royaume du Nord là. Donc un jour tant qu'aujourd'hui en 1957, 6 avril, c'était installation conseil exécutif avec troisième gouvernement après départ Paul-Eugène Magloire. Et on joue tant qu'aujourd'hui, en 6 avril 1997, c'était élection pour renouvellement tiers Sénat avec Kasek. Prévision astrologique, aux amis auditeurs, j'en ai habitué à faire ça. N'a démarré avec natif Bélier, qui c'est monde qui fête 21 mars pour arriver 20 avril. Bélier, sentimentalement, ou fait trop excès, ou trop exigeant même en fait partenaire là. Le nouvel astralio pour vous, grâce à maturité et démarche professionnelle, a abouti. Numéro chanceux, c'est 56 couleur pour journée en sévère. Puis bon moment pour vous, 3 heures dans l'après-midi, ou a bien bonne entente avec un natif balance. Si vous faites 21 avril pour arriver 21 mai, natif ou c'est taureau, taureau ou pas bail en mon place dans vie aujourd'hui.
à cause partenaire là qui pral mandé pour faire quelques concessions qui pas dans volonté. Nouvelle Australie pour vous, tout bagaille ta doué marcher bien. Numéro chance sous 4 couleur pour journée en rouge foncé, puis bon moment pour 4h dans l'après-midi. Ou bien bonne entente avec un natif cancer. Si vous faites 22 mai pour arriver 21 juin natif ou c'est Gémeaux. Gémeaux en pile passion abdominé vie conjugale aujourd'hui et ça t'a doué porter pour en pile satisfaction. Nouvelle Australie pour ou t'a doué chercher bien exploiter charme ou yo surtout en compagnie de partenaire là. Numéro chance ou c'est 8 couleur pour journée en Gémeaux c'est blanc. Puis bon moment pour ou 6h na souhait ou ap gen bonne entente avec un natif Scorpion. Si vous faites 22 juin pour arriver 23 juillet natif ou c'est cancer, cancer pas quitter orgueil, monter dans tête ou au point que pour oublier partenaire là. Nouvelle Australie pour vous ou envie gain plus l'argent, c'est bien, mais on besoin bien réfléchir tout pour capable jeune solution à ça. Numéro chance ou 35 couleur pour journée en bleu. Puis bon moment pour vous, 6h à souhait ou gain bonne entente avec un natif Bélier. Lyon, c'est monde qui fête 24 juillet pour arriver 23 août. Lyon, dans l'idée pour combler partenaire là ou tomber à faire rêver. Donc attention, chef là, pour pas faire mon n'a fait illusion. Nouvelle Australie pour ou, bagay yo pral marcher bien pour aujourd'hui sous toute forme. Numéro chanceux, c'est 6, couleur pour journée en noir. Puis bon moment pour ou, 10h na souhait ou bien bonne entente avec un natif Capricorne. Si vous faites 24 août pour arriver 23 septembre, natif ou c'est Vierge. Vierge, ou abjouen équilibre dans vie sentimentale ou et ça pral bay plus j'arrête à relation. Nouvelle Australie ou non, tout bagay, c'est bien, mais pas oublier ou besoin gérer énergie ou pour capable terminer tout ça ou te commencer. Numéro chance ou Vierge, c'est 14. Couleur pour journée en jaune, puis bon moment pour 4h dans l'après-midi. Ou bien bonne entente avec un natif Gémeaux. Si vous faites 24 septembre pour arriver 23 octobre, natif ou c'est Balance. Balance, jodi an ou gen possibilité pour sentir au comblé. Partenaire là a fait toute sale qu'on est pour gérer toute ti émotion. Nouvelle Australie pour vous, ou a besoin faire un pile effort pour joindre résultat. Numéro chanceux, 4 couleur pour journée en violet, puis bon moment pour vous, 6h non à souhait et ou a bien bonne entente avec un natif Verseau. Si vous faites 24 octobre pour arriver 22 novembre, natif ou c'est Scorpion. Scorpion, t'assemblé partenaire là, mettez-vous en position pour gérer bagaille pour contour là ou gain pour prendre une décision qui est importante. Donc ça qui est capable de créer des déséquilibres. Nouvelle Australie, en pile travail en perspective, c'est bien, mais surtout, vous avez une bonne dose de chance. Numéro chanceux, 27, couleur pour journée en gris, puis bon moment pour 8h du matin, Lyon, c'est avec natif, vous avez une bonne entente. Si vous faites 23 novembre pour arriver 21 décembre, natif ou c'est Sagittaire. Sagittaire, t'assemblé partenaire là, pas fin comprendre nous, surtout dans bagay qui pour faire plaisir. Nouvelle Australie pour vous, tout ça va entreprendre, va marcher bien pour aujourd'hui. Numéro chance c'est 4, couleur pour journée c'est violet. Puis bon moment pour vous, 2h dans l'après-midi, vous avez une bonne entente avec un natif Vierge. Si vous faites 22 décembre pour arriver 20 janvier natif ou c'est Capricorne. Capricorne, pour une fois, vous pourrez le montrer au compréhensif envers partenaire là. Nouvelle Australie pour vous, vous pourrez le joindre quelques petites pressions dans le travail aujourd'hui. Donc attention pour ne pas exciter. Numéro chanceux, 37, couleur pour journée, c'est rose. Puis bon moment pour vous, 5h dans l'après-midi, vous avez une bonne entente avec un natif Gémeaux. Si vous faites 21 janvier pour arriver 19 février, natif ou c'est Verseau. Verseau, si vous voulez montrer partenaire la sincérité ou en vérité, ou besoin montrer le que vous attachez à lui. Pas venir prendre pause là ou anti-gens, et vous pas besoin ou elle souvent, non. Nouvelle Australie, si vous pas contrôler agressivité ou mon cher, ou fait un pile échec Verseau. Numéro chanceux, c'est 12, couleur pour journée, c'est bleu. Puis bon moment pour vous, 4h dans l'après-midi, ou à bien bonne entente avec un natif Capricorne.
Enfin, poisson, c'est monde qui fête 20 février pour arriver 20 mars. Poisson, wap bay plus priorité avec avenir ou au lieu à relation sentimentale ou puisque ou senti relation a dégradé ou pas prêté sous lit wap envie prioriser quelques projets d'avenir. Nouvelle Australie, wap avance bien sans ou pas coûter opinion personne. Numéro chance ou 15, couleur pour journée, orange. Puis bon moment pour 7 heures dans souhait, ou ap gen bonne entente avec yon natif cancer. Zami auditeur, merci parce que vous te printemps pour côté prévision astrologique. Yon ap kite ou dans deux plamens, Ginadel Augustin ak Wesner Chal pour information sportive. Bonjour Ginadel, bonjour Wesner. Bonjour Fedia, bonjour Fernand, bonjour tout le monde qui a attendu nous, bonjour Wesner. Bonjour Ginadel, bonjour encore une fois à tous les amis auditeurs, nous contents, aujourd'hui, d'ailleurs, journée là, nous allons commencer parce que tout ça me fait, tout ça me va faire, donc nous allons frapper, nous allons parler du sport. Nous parler de championnat national de première division qui pendant week-end a été et donc une nouvelle journée mais tout pendant week-end ça pour aller gagner plusieurs matchs qu'a disputé sur plusieurs terrains et tout à fait Wesley on apprend nous dans Léogane pour nous parler de 9e journée championnat national de première division hein, qui était opposé équipe Cavalli de Léogane à équipe et Don Bosco de Pétionville ben match qui finit et 4-1 avantage équipe Don Bosco hein. Donc Don Bosco lui-même qui a arraché victoire ça et la caille Cavalli et mon Cavalli bon me dit non c'est bon et Léogane est côté qui gagne en pile l'école football en pile mon a joué football. Et Léogane, c'est un côté qui est capable d'offrir le luxe pour lui et faire football jeune et intégrer des jeunes équipes et Cavalier. M'pa wè pour qui ça, nous aimons le football en pile, moi connais ça. Moi pas wè pour qui ça, pour nous appeler, mettre nous dans des situations comme ça. Et par exemple, ou venir dans match, fanatique yo prend terrain. Et yo pa vle caméra maintenant comme si des fois prend des images tellement yo monte terrain commissaire au terrain gen part de responsabilité là ça qu'a fait là oui et fanatique yo tout moi comprendre nous gen engouement pour nous garder équipe chérie nous mais Léogane pi bien que et Tigouave parce que Léogane gen quelques places assises et en attendant que grillage l'en vini nous capable et chita et pour nous garder équipe donc c'est nous chita n'a pour nous besoin monter terrain si nous chita yo quitter place assise là pour venir camper bon terrain si nous chita n'a pour parce que le on média moi même là me déplacer mal le match et ça quand moi dou Tigouave le mal le match Tigouave moi peur pour qui ça me peur parce que moi peur si et pendant une action caméra pas prendre. Parce que là, malem gè obligation morale envers équipe comme vinn la kayli an et envers équipe qui vinn déplacer a. Si nous comme menti, nous ka toujours prendre information à des joueurs qui gen des contrats à l'étranger, yo vinn nan dou, ba yo vidéo match côté au table jouer tel jour tel jour tel terrain. Ou ben font compilation parce que yo té wè Guinée nan match sa yo, font compilation de images pour yo s'il vous plaît pour ba yo parce que contrat ou pral joindre nan, yo mandé yo vidéo côté au table jouer. Le ça ou mettez moi dans ti souliers ou du moins cependant gon action k'ap fait action li ka nan avantage ou kon sa tout le ka nan avantage l'autre équipe là parce que c'est one set là faut me dire Jean Lien s'il nan avantage ou m'a dit nan avantage ou s'il nan avantage l'autre équipe m'a dit nan avantage l'autre équipe là imagino ou barim. Non, par exemple, regardez gain deux goals Don Bosco fait, tête moun Cavalli barre goal là ou pas kawel vraiment. Eh ben gain deux gain un goal tout dans dernier match l'année dernière là pour équipe Cavalli qu'on est ce que l'a monté en première division et premier goal que Cavalli pour le faire, m'pa prend par le fait que gon moun qui campé devant et malgré m'a dit déplacer, il pas voulait déplacer. Et faut me dire nous, là nous déplacer sous service que nous rendons. Et ou pas banon good pour nous déplacer. Nous mettez gaz dans machine, nous prend matériel radio à nous déplacer.
nous vini pour nous venir suivre et pour nous faire plaisir. Parce que grand pile moun qui t'a bien aimé ouais nous chaque jour la caillou nous dit non nous pas cap venir chaque jour la caillou n'a bail chaque moun on ti cal. Donc si me déplacer me vini et les mal l'autre bois les mal au gars n'est pas mandé mal mando vous dit m'ta vinn mandé ou pas quitter me vini parce que chaque fois me vini c'est mandé pas vinn m'ta vous dit ça et c'est ça fait les mal en côté mal côté avec tout respect avec tout honneur pour me donner avec tout respect parce que ça me joine là c'est lui m'a dit et me dit nous ça déjà un arbitre qui a déplacé ou a déplacé sans honneur sans respect ou pas besoin aller parce que tu déjà connais coblan piti ou tu déjà connais moyen à ba ou en piti dès pour grand temps prend engagement pour déplacer et ça fait les week-end yo nous entendu avec direction nous direction nous va tel côté nous va tel côté et c'est ça fait des fois les m'rivé avant match m'pa n'en parler avec dirigeant ou comme pour ça des fois m'pa parler avec dirigeant c'est parce que m'pa vle si gon bagay qui vient passer pour moun n'en pral dire té ouais m'a parler dirigeant mais ceci monsieur là non m'prend le soin mal dans match là moi dirigeant m'saluer mal fait travail moi le match là fini si pas gen problème dirigeant ka toujours parler avec m'bala dirigeant me dit comment et tout bagay bon match nous t'ai fait mais depuis match la fini gen problème la donne dirigeant pas même parce que m'a filé ça moi et il m'bal bay ou comprendre et même si l'ouem presque pas entendre et songe me dit nous li plus facile le mal long match football pour m'a expliquer belle fin de corps bel geste technique bon goal bon dribble que l'aime bal dit ah et équipe ça t'es mal comporté fanatique ça t'es mal comporté parce que me pas senti bien me pas senti normal moi parce que c'est football malé moi à l'échelle internationale nous ouais à l'échelle et encore une fois la preuve on est bien grande avant hier Juventus a recevoir Real Madrid la Kaili hein la recevoir Real Madrid la Kaili ça qui passé Real Madrid corriger Juventus et gros gros goal qui fait dans match là ouais toute fanatique Juventus yo tout supporter au lever campé pour saluer et malgré Cristiano fin célébrer gol là ou comment avec humilité respect mutuel que le gagner pour et ben dirigeant yo il saluer ou côté de mettre main sous poitrine ça a son gros signe oui l'homme monde mettre main sous poitrine et puis baisser tête lui sous va comprendre tout comprendre donc nous même là nous déplacer son service que n'al rendre sport là nous pas avec écraser parce que c'est des limites vivre. Ou gen pression chaque fois nous vinn là, c'est des sports internationaux à parler, non? Chaque fois nous vinn là, nous parler de sport local, ça veut dire s'il crasé, nous pas gen raison d'être parce que ce sport local là n'a poussé. Est-ce que comprendre ça me dit là? Donc son petit cal pour chaque monde, là on aller, voyons les d'ailleurs, nous va quitter pour monde. Nous va quitter pour monde, pas gen monde qui vinn ba nous pression. Soit tout même que tout même, d'ailleurs tout monde ca mourir, pas vrai? Tout monde ca mourir. Moi même c'est chauffeur, c'est conduire, conduire machine n'a cap touyer. C'est mi quoi me connais mais mi quoi cap touyer moi. Bon si m'aller c'est vérité m'a parlé. Mais kounya là, moins doué professionnel dans tout ça m'a fait. Parce que des mi quoi ça, l'en dit un bagage, m'camper d'elle et m'pas vraiment d'excuse. Parce que c'est moi qui dis. Eh ben sous fond bagage bien, ou après le bien. Ou fait le mal tout n'a vinn dire parce que moi même m'pa pral di un bagaille qui pour un jour pendant l'a déranger l'autre monde m'a di un bagaille non seulement ou a déranger mais ou après samedi en li réel et tout à fait d'accord on a juste demandé fanatique et cavali fanatique et valencia parce que recevoir sur même terrain ouais chaque fois di fanatique bah j'aime comprendre que c'est des fanatiques qu'on parle bon de toute façon non moun gen fanatique là c'est moun qui déplacé qui paye l'argent quel garde match mais match a regardé oui. Non, moun ki fè sa yo, ka bay problème nan, e pa fanatique yo pa paye. Non, mais c'est comprendre parce que moi m'viv ça. Essayer comprendre moun nan pa paye. Non, non, m'viv ça. Non, ti wap konnen kapi moun ki pa paye match golf. Alors m'pa ka distinguer si yo pa paye ou pas, même konnen gen paye tout. Mais moi vle comprendre parce que lè moun te terrain c'est match a regarder. C'est match moi ça ti golf même c'est match a regarder. Mais ki pa bon pour moi parce que ou vinn mete m nan difficulté. Imagine ou golf fait et puis soit le te composé soit avance ou bel tombe bon goal ou pas ca juger pas prendre d'ailleurs son seul caméra gagne pas ca prendre son grand plan me fait pour me faire match là et pas production m'a fait c'est nouvelle moi vinn faire m'pas ca prendre et match là donc le ça vinn mettre
Nan difficulté ça vinn fè que même moi-même moi découragé pour vinn la caillou parce que si vinn la caillou me connais m'a vinn nan problème. M'ka vinn un match fait un goal à 0 m'pa prend goal là. Qui ça ça gagne? Tout monde chita la caillou en lundi après-midi, y a t'en résumé parce que Guinée était déplacé en province, y a t'en résumé match Tigouave par exemple et Tigouave Tempête. Bon. Match a fini un goal à 0, m'pa vinn goal là. Il pas sens parce que fanatique yo t'a monté terrain. Commissaire yo prend responsabilité nous. Fait fanatique yo rete côté priorité et puis fanatique yo tout et nous-mêmes essayer prendre responsabilité nous tout bail jouette là espace pour jouer parce que terrain a gon mesure que et FIFA reconnaît pour lié rete derrière ligne là les organes comme dit ça souvent gain place assise chita dans place assise là nous tout a ouais parce que si nous non match du nord mine ça donne pas le camp bon terrain nous chita nous ouais mais les organes qui côté bon chita pour nous ouais tout chita pour nous ouais pour nous garder match là en tout cas et après match Cavalli Don Bosco hein le capitaine Cavalli hein et malgré le tibet tête de goal et Fondi Cavalli gol entraîneur longtemps ça non. Après il fin retiré et... Abela yo bay et l'autre monde qui était venu hein yo te gain brand yo nomme yo nomme yo qui est oui yo nomme mon non a échappé m'a venir avec pour tout à l'heure oh gain capitaine Baltimore gain monde qui parle en tête les tout Fogalsel Fogalsel ali ni dit yo mal comporté en tout cas bon et bon m'gay pour mal et Saint-Marc m'pa bin nan manger du riz à la loi avec nous ah qui sort gain te be wal manger bon qui j'en qui ça Saint-Marc fait poisson m'pa bin nan manger poisson avec m'a vinn connait ça que j'en Saint-Marc fait poisson moi ça ça le fait la tibonite Saint-Marc fait la Saint-Marc la tibonite yo gain poisson yo gain poisson yo gain poisson tout poisson tout poisson de l'eau de rivière moi comme l'eau doux l'eau doux yep. M'pap vinn nan manger poisson avec nous. OK, poisson de l'eau douce. M'pap vinn nan manger du à la loi, moi même m'a vinn connait ça que fait Fogalsel, madame et Mireille. Oh. Oui, madame Mireille. Ah vous fait madame non. Madame n'a pas dormi là oui. Là n'a attendez, faut di nous ça que fait Fogalsel qui était équipe là. Gè capitaine Cavalier, Clairvaux du Terson dans intervention, ni dit que défaite ça qui était un goût amer dans bouche li pendant le mettait accent sur ambition le gagner pour avenir li. An suivi li. Après défaite ça moi senti humilié la caille moi c'est vrai que nous t'ai possession balle là mais c'est pas ça qui comptait Don Bosco côté mieux nous t'ai dit mieux comprendre jot là que nous t'ai quitté nous dominer et il t'ai fait l'essentiel message m'gain pour tout coéquipier mieux avec dirigeant mieux c'est on plus collaborer ensemble pour nous faire un bon un meilleur équipe pour deuxième tour et Clairvaux du Terson un match tant qu'au match aujourd'hui ou même en tant que capitaine qui sont apprendre de lui m'a apprendre un peu le bagage de match ça premier balle il apprendre moi que de dominer une rencontre football c'est pas lui qui gagne c'est aller jusqu'au bout et marquer des buts et etc mais c'est pas dominer qui gagne un match football. Clairvaux sont jeunes footballeurs et qui plus grande mission que vous gagnez dans le football aujourd'hui? Moi, assez jeune. Moi, je souhaite décrocher un contrat international. Malgré que je fais plusieurs essais avec la sélection nationale, moi de 20 ans, j'ai plusieurs compétitions. Je ne peux pas jouer un contrat international, mais je espère que je quand même pour mieux vivre tout ça. Après défaite ça qui est très salé pour nous, second message pour fanatique Cavalier, c'est qui ça que lié? Après défaite ça qui amer dans goût dans la bouche tout fan Cavalier moi dit nous pas découragé c'est football gain trois résultats c'est nul gagner puis perdu je dis à Cavalier perdu mais c'est pas championnat qui finit moi espère que nous pas découragé et n'a travaillé à l'entraînement pour nous apporter résultat pour fan. C'était réaction capitaine Clairvaux du Terson, capitaine Cavalli de Léogane. Gain entraîneur Don Bosco Jean Chrysostome Junior Natou dans intervention. Félicité pour l'Enlio pour comportement yo te gagné pendant match là. L'elle continuer pour dire que c'était you impératif pour yo te faire victoire là pendant le faire le point sous façon football a joué dans pays là. En suivi. C'est féliciter joueur mais devoir gagner. Parce que c'est arrivé un moment Cavalli était pas match en main nous. Mais nous après goal Cavalli, nous jouons avec un peu d'intelligence, nous profiter de erreur et nous tuer match à tout. Même parce que j'ai un classement là mais je dis ton impératif on te gagner parce que si nous font nul grand pile équipe derrière nous si on gagne, on peut tourner en bas classement encore, c'était une obligation j'aime de la bonté
On te défend trois points. Je dis à l'équipe Don Bosco, ça encore, nous ne pouvons pas parler de ça. Il y a quelques joueurs de marque qui sont encore absents. Et absence, malgré tout, pas handicapé. Non. Et est-ce que tu as un plan de jeu bien défini pour capable venir à faute de Cavalisa? Claire, claire. Moi, c'est le monde qui parle là-haut. Ils font nous mal. Mais bon, moi, c'est deux bons joueurs, surtout Madoche et Kerlens. Et des rivières. Même parce que les gens qui couvrent la position, ils font assez bientôt. Et c'est le résultat que nous avons. Mais c'est un challenge compétitif dans le groupe là. Les gens qui n'ont pas de minutes de l'heure aujourd'hui, parce qu'ils profitent de l'heure au maximum. Don Bosco, vous avez certes qui études que vous faites en général de football haïtien et niveau, nous t'as supposé prendre, mais malheureusement, obligé à progresser à chaque instant. Les dieux pour nous dire, man, parce que moi, je suis dans le milieu, mais moi, je suis dans le milieu pour nous prendre conscience de tête. Non, man. Parce que si ça n'a fait, je me dis ça 1 million de fois déjà, man. Si c'est le qui est bon, nous ne pouvons pas plaire, nous avons une Coupe du Monde chaque année. Man. Il va falloir que nous repensions, niveau football, nous baissons en pile, nous perdons trois joueurs de bonne qualité. Il manque de formation faite au niveau junior et il faut éduquer le public. Tout. Enfin, parce que c'est tout le système. Là, so, faut que nous rebattons 4 là. Nous avons rebattu 4 là, mais c'est à même monde qui a rebattu 4 là. L'objectif là, il n'a pas changé pour serrer l'ouverture du championnat. C'est ça qui est important là. Je veux dire, nous faisons victoire. Man. Il y a pas un ouvre de soulagement pour que nous bien avoir des semaines de travail. Là. So, l'idée là, c'est penser 3 points dimanche. Hein. Voir comment nous avons et puis pour nous suivre cette compétition pour nous faire au niveau de. Voilà où t'as suivre réaction et entraîneur Don Bosco de Pétionville, Jean Chrysostome Junior Natou. Oui, donc monsieur a parlé et il faut changer le système. Non, effectivement, parce que si c'est dans et bagarre ou encore si c'est dans goumé, si c'est dans joué, Jean qu'on a fait là, nous pas d'abord arriver loin. Et m'dou dit fanatique ou gagne mission. Mission, c'est faire en sorte que vous relayez des joueurs au football loin, ou payer l'argent au vin d'un match, faut qu'on joue un bon spectacle. Si tout dirigeant fanatique fait même genre, c'est sûr que joueurs pourra le jouer dans l'autre registre, c'est sûr que pourra le jouer dans l'autre forme, et à partir de là, ou capable de gagner match que vous gagnez. L'un a participé dans la compétition internationale, à représenter Haïti, nous allons participer pour participer, nous allons participer pour flotter drapeau entre vous. Il a déjà fait 7h30, nous allons prendre un coup de pause. Oui, hein? Nous allons remercier les sponsors. Nous allons remercier. Andy, merci Fiana. La mot grande dans ce qui sale Unibank, moi sentim la caille moi. Yo servi mak respect et courtoisie. Et puis tout, c'est dans zone kafou mrete, c'est l'âme gen business moi tout. Ke m'ap monte, ke m'ap descend, Unibank mette à disposition deux succursales Tor sous Tebolaria. Une dans Tor 14 et puis l'autre là à départ dans Tor 67. Pour m'ka fait toute transaction sans pas besoin marcher trop loin. Si m'gen urgence ou sinon si trop tard tabarem, moi gen possibilité tout pour m'servir avec ATM Unibank dans deux succursales Tor sa yon, qui ouvre 24 sous 24, 7 sous 7. Moi très fier, c'est dans Unibank que m'ai choisi pour m'ouvrir canal. Parce que c'est lui qui a pensé pour moi. Chaque jour qui joue, c'est lui qui toujours campé jam avec. C'est même côté nous pour aller. On fait route là ensemble avec Unibank. Ah oui, match l'arrivée dans la prolongation. Gardo Macage, Filarios en difficulté. Il déjà prend carton rouge. Dans 117 communes, médicaments efficaces, li chouet tout hiver filariose, moustique ka mette ensemble. Port-au-Prince, Delma, Tabar, Cité Soleil, Carrefour, nous derrière, oui là. MSPP à l'attaque, oui, Ganou intérieur, pas gros pied, Maclouclou, Retsouban, Bamboul, médicaments contre filariose, à distribuer, voilà Caillou, Vancé. Tabar, c'est pour 26 avril, li glissel, bay Cité Soleil, le 3 mai, qui dégageait le sous Port-au-Prince, le 10 mai, Wololoy, coup de tête pour Carrefour, le 24 mai, qui traversait le sous Delma. Le 30 mai, Mendec, Melbendazole, danger pour Filarios, Metel Gras! Yon message, ministère Santé publique ak population. Tout jouer, toute équipe, toute catégorie vle jouer sur Radio Guinée. Radio Guinée respecte règle jouet la. Li pa attaquant, li pa kabay gol pour ou. Li pa gardien de but, li pa kabay gol pour ou. Radio Guinée, c'est one cent lan. Li pour toute équipe. Et oui, c'est nous tourner après proposer parce que nous obligés prendre nous pas respecter au scope là pas obligé non nous devons prendre oui au scope là pas respecter li avant le défait li bon nous obligé faut nous prendre et pour nous remercier monde qui pense parce que c'est yo qui fait fin mois m'a pas mauvais comme comme ça là bon si on était capable plus là dans dol d'abord comme mieux et yo qui fait fin mois mauvais comme comme ça là m'pète me dit rete pourquoi gagner et yo qui fait l'aime pas être côté m'pas être fou et à nous dit et non entraîneur et cavalier c'est Claude Francis il était là déjà Claude Francis était là déjà et
Eugène, tu as fait un bon travail dans cette équipe là. Mon cavale, je ne comprends pas ce qui a passé. Tu as fait un bon travail dans cette équipe là, oui. Après ça, on mettait la tête doucement. Et bon, elle retourne, donc c'est petit Kai qui compte Kai. Oui, il retourne. Il va le donner avec partenaire. Depuis bas, il va bien marcher. Qu'est-ce? Mais c'est que tout, il dit là, il va aller, mais fois ça le aller. Andris, il dit mais pour faire une bail, c'est trop compliqué. On nous dit secrétaire général Resina. Et n'a font pas la voix demain, il faut dire nous. Et comment fait la fête, côté oui. Fête la fête, et bien reste ma vole en fait là, ou aller? Oh bon, ou comme ça. Et bien ça me dit, m'a vole en oui, fait. Oui, m'bralé. Soit plaît de parler en grand, ou ça m'a vole. M'bralé. Oh bon, m'a fait balé. Ou a café sorti fait de fête là? Non, et là, quand même, ça m'a fait ça. M'a fait ça dans fête Kamoun. Ah, et ça m'a dit. Et m'a fait ça dans fête Kamoun, mais m'a vu, ouais, parce que non seulement fête là, c'est fête Racine, et puis c'est pas un gros match. C'est ouais. Deux équipes finales. Qui était fait finale, deux équipes finalistes. Ça, son remake. Oui, l'an passé. Donc. Finale et 2017. Là. Donc, c'est ça qui a. Qui salivait. Et choses en plus, qui enjolivait, fait là. Bon, victoire Racine, pas si mal, mais ASC, pas bien vendre pour le tout. Donc, Racine. Ouais, c'est une des meilleures équipes qui gagne à l'heure actuelle. James et Daniel Allé. Oui, il va aller, c'est domaine. L'allé ou bel bralé? Eh, mais le début après match, il dégage. Oui, il était allé. Après match, il dit bon, là, tu vas là, tu vas là, tu il dit pas rien de non? Il dit Koblak en plus. Oui, il dit Racine Payel, mais c'est Koblak en plus. Bon, nous, on comprend ça parce que Gapil, dirigeant qui. Oui, ça va faire le valet là. James et Daniel. Qui rentre dans le compromis. Ah, hein? Bon. Non, il rentre dans le compromis. Gapil, dirigeant qui rentre dans le compromis. Hein? Et parce que. Et il y a sorti ça c'est demain à Bayo hein à Bayo joueur là li oui est-ce que vous même il a vu un petit bail tout bon par contre comment contrat c'est sûr que m'a venir avec réponse pour lundi parce que m'a parlé et bon demain tout on va parler avec secrétaire et général Racine là on va faire li définitivement yo ka anik levé jouer nous oui à l'autre bois hein les bons joueurs qui gagne 28 ans 30 ans est-ce qu'il ca porter fil l'autre bois. Et en République dominicaine, est-ce que je vois aller soulager la tour parce que non, je vais regarder Dabo qui a joué. Oui. Je vais regarder Poki qui a joué. Poki est dans la génération. Et Peter, Poki presque... Ah, pas... Wow. Oui. Ah, mais Peter, on n'est pas Peter de Dimligue. Non, comme Peter, mais on va dire, mais c'est écoute lui-même. Non, c'est pas dans la longueur. Peter, on est passé dans le micro, tu as dit qu'il a 36, on est 37. Quelle année a-t-il passé? Oh, c'est en 2017, il te dit ça. Qui soit abrévé là? On va finir par son bas. D'abord, c'est presque. Pour qui c'est presque dans la génération Peter? Donc, si moi, pour qui a joué niveau football ça, on regarde Vanel Sirin. L'autre dit pour qui a joué. Et ancien capitaine Racine. Il va être dans la même génération. Et Jean-Rubert Menelas. Il est toujours à jouer? Bon, la vieux dans la SC. Ou est-ce qu'il a dit? Qui l'a dit? Dit, jouez pour vous-même. On a les noms. On nous baille calendrier à nous, parce que c'est pour la 10e journée pendant le week-end. J'en ai toujours fait ça. Mes amis fanatiques qui ont déplacé à supporter l'équipe, nous. Allez supporter l'équipe, nous. Mais dans l'ordre et dans la discipline, nous ne pouvons pas aller les joueurs. Nous ne pouvons pas aller les joueurs là dans le matin pour ces gourmets qui sont dans le terrain, m'a parlé non. Et depuis que m'a parlé, nous avons dit nous faisons. Oh, nous avons Jacques Kinto, Jacques Fon, goal. Son connaît tout goal. Oui, après mondial là nous pourrons changer générique vestiaire. Oui, c'est ce que j'ai dit match ça c'est eux même qui pourraient faire partie de vestiaire là. Et tout gain joueur ASC a tout font gros goal tout et Ronaldo Gustave. Okay. Un goal près de 40 mètres, un coup pat. Non mais si qui un coup pat en lob qui tout rentre dans camp pour Jab Steve Sanon. Vous voulez dire un goal comme si goal original de fait pour Radio Guinée. Non, goal original pas tu as la force. Il tout rentre dans camp à force mais pas Gustave là lui-même. Il descend en lob. Et bon bagaille. Et monsieur continuer comme ça, m'a regardé pour moi. Alors dans goal nous gagne yo qui est nous même nous là. N'a pas goal saison. Alors c'est ça nous gagne nous même. Et n'a choisi qui est qui goal saison. Mais et Jacinto et ou en pole position ou bien positionné connaît tout goal ça. Là 40 mètres là on nous pas jeune ça souvent. N'a font vote. On nous aller dans championnat non pour notre 10e journée c'est dans weekend ça. En samedi 7 avril dans parc Mont Blanc, m'ta remet ouais Mont Blanc jaune et bleu ben bleu et jaune. Voilà, jaune et bleu. Et couleur Racine. Là, elle va venir l'autre jaune, mais elle va venir bleu ou rouge tout. Non, mais c'est jaune et bleu et couleur Racine. Jaune et bleu Racine. Oui. Mais qu'on a l'autre là, on va venir rouge et bleu. Non, on a qui ça qui gagne qu'on a équipe yo, yo rentré dans politique qu'il y a pas billet. Il y a pas billet équipe qu'on a. Okay. Racine gagne maillot. Et ASC Gemayo, Fika Gemayo, Real Gemayo, Wanamed, Don Bosco, qui club ASC Sud-Est Gemayo. Donc, ou dou c'est ou pas le match,
ou jwenn un bon parti dans moun Jamel vert et blanc parce qu'il a acheté maillot équipe là. Donc acheter maillot nous pour capable identifier nous capable faire un mois ensemble petit cob blanc pour nous faire tête nous plaisir ça. Chaque nous balle le match mettons maillot équipe nous sous nous pour nous le supporter. Ndaremé moi tout annoncer nous et l'aime boal la caillon monde pas étonné sous un gros maillot l'autre équipe sous moi. Oui parce que équipe cap jouer on pas jamais mettre maillot nous une sous moi. Mais m'a mettre maillot championnat sous moi. Donc pas étonné sous un gros maillot et sud sous moi balle dans match Racing Don Bosco. Pas étonné sous un gros on maillot et fika sous moi sous un balle dans match Racing AS. Pas étonné. Et pas étonné tout sous un ballon match ASC Real et puis mettons maillot fikasou même pas étonné parce que moi-même pas chercher m'a gagné yo. OK et donc n'a dit mon yo et m'ta remet ouais terrain bleu et jaune et Racing campé bel drapeau décoré parce que c'est fête nous et n'a joué face à une grosse équipe qui était champion sous nous l'année passée et qui était en forme dans compétition avec ASC. Et Racing a joué dans Parc Mont Blanc et samedi à 4h face à l'équipe ASCA. C'est Alain Georges qui a sifflé, Ernst Datus a commissaire au terrain. Dans Parc Notre-Dame, Wanamet a joué à 4h. Mon Wanamet, calmez-nous, allez calme. Et même Jean nous ka fait victoire de York Cavali ka vinn bat nous la caille nous tout oui, donc mettez boule se tomber la caille oui mettez boule dans jambe nous pour nous jouer à Cavali pour nous faire victoire donc pas blé chaque on nous perdu c'est arbitre qui cause non moi même toujours été quoi oui c'est vrai un coup de sifflet ka déranger et forme un match football mais si nous t'es venu pour nous jouer tout et nous capable au moins faire différence là mes amis si nous d'ab 4 goals m'parité quoi et essayer un seul coup de sifflet qu'a fait et nous a fait 4 goals là et jouer et pour nous gagner nous capable gagner de yo contre on capable perdre la caille nous tout on a met à jouer contre Cavalli dans Parc Notre-Dame à 4h et Evans Telusma a sifflé et France Gérald bien-aimé a commissaire au terrain dans Parc Notre-Dame dans Parc National du Drapeau et Arcaye gagne pour côté qui Baltimore là et Pétiel Dumas a sifflé et Serge Toussaint a commissaire au terrain. Dans stade Silvio Cator, Cosmopolite a joué contre qui Petit Guavlan. Donc c'est Charlot et Saint-Simon qui a sifflé et Daïti Rodrigue a commissaire au terrain. Et match Cosmopolite a joué à 6h. Dans dimanche, et dans Parc Sainte-Thérèse de Pétionville à 7h. Don Bosco a joué contre équipe AS Sud-Est là. Jeune Jean Olmi a sifflé et Leslie Laguerre a commissaire au terrain. Toujours un dimanche dans Parc Le Velt de Saint-Marc, gen Tempête cap je compte équipe Real Hope du Caplan. Emmanuel Lucas a sifflé et Gary Sena a commissaire au terrain. Dans Parc Gérard Christophe de Léogane à 4h, Valencia a je compte équipe AS Mirbalea. Salnav Abraham a sifflé et Bruce H point des hommes a commissaire au terrain. Dans Parc Saint-Victor au Cap-Haïtien à 6h, Fika a recevoir équipe Racing Club Haïtien. Gain et Itilson Clairvius et qui a sifflé et Jocelyn Dolcé et a commissaire au terrain et c'est comme ça ça a pénétré dans national de première division. Que nous inviter tout monde sous ces fanatiques football à aller supporter équipe Paul dans l'ordre et dans la discipline aller alfebri si ça arrive tout a perdu rester calme féliciter monde ou mériter féliciter si c'est équipe adverse senti qu'a bien joué féliciter lui en tout cas on a quitté très rapide première division pour nous parler de deuxième division. Et même si nous reconnaissons qu'il y a plusieurs matchs qui ont été joués hier, match tout capable de clôturer la troisième journée, et gagner Vision de Inch qui fait et donc 0-0 face à USR, ou a gagné pour salut du goal à 0, Victoria a fait tomber US Carrefour un goal à 0, et gagné donc match qui a été joué dans la quatrième journée.
Il faut mentionner pour aller gagner plusieurs autres matchs qu'a joué pendant week-end ça et c'est pour la quatrième journée qu'a joué. Tout d'abord, gagne à Estou du Nord dans Parc Saint-Jean qu'a joué contre l'Imbé Football Club dimanche 4 avril 2018 là 4h. Dans même le ça pour aller gagner dans Parc Saint-Joseph du côté du Fort Liberté, Gessoua Liberté a joué contre Accolade de Gaumont et dimanche dans Parc Oulan Abdallah 4h, Racine Gaumont a joué contre équipe Athlétique Football Club là. Pour les pères Football Club dans Parc Immaculé de Marie a joué contre ASSL. Et puis, gagne dans le parc Joseph Gouvernec, gagne FC Chansol, qui a joué contre Éclair de Gouraïve. Ça, c'est dans la zone nord 1 et puis dans la zone nord 2. Dans le parc Lélio Giffard, à Esbourel, a joué contre Lascaroubas. Dans le parc du Marseille, estimé Arcadet de Montrouy, a joué contre Vision 2 Inch. Dans le parc Saint-Clair de Marchand des Salines, à SD Salines, a joué contre US Papaye. Dans le parc Michelet, Destinoble à Esverette a joué contre Triomphe de Liancourt. Dans le parc Sacré-Cœur, gagne Ponsondé Football Club qui a joué contre Panthénon de Liancourt. Et puis, dans le parc La Martinière, jeudi 12 avril 2018 là, à 4h, USR a gagné pour jouer contre l'équipe Panthénon. Là, match Sayo a joué dans le cadre 4e journée championnat national de 2e division dans la zone nord 1 et zone nord 2. On va être rapide dans la zone et sud 1, on commence à voir lié, puisque Gayen, un match qui a joué depuis un samedi, Parc Sainte-Thérèse, 7h, et pour Gayen, et Club Sportif Saint-Louis, qui a gagné pour jouer contre Roulado de la Gonave, et puis dans Parc La Paix, du côté de Delma 2, et Aigle Noir, qui a joué contre Violette Athletic Club, c'est une grosse bataille dans la deuxième division 1. Exafoot a joué dans le parc Gérard Christophe samedi 7 avril 2018 là, contre PNH, alors que dans le parc Pinchina du côté de Jacmel, Victoria de Jacmel a joué contre Roulado de Sousmatla dimanche, et puis dans le parc Cité Soleil, gain amateur de Cité Soleil qui a joué contre Lyonceau Le Pernier, match ça à la fête à 4h. Carrefour et dans le centre sportif Carrefour, là, jeudi 12 avril 2018, US Carrefour a joué contre Roulado de Sousmatla. Et dans la zone nord et sud 2, comment ça va aller? America Football Club dans le derby Cayen a joué contre Juventus de Cay. C'est pour le dimanche dans le parc Laco. Et puis dans le parc Bellevue et pour le FC Port Salut qui a joué contre Inter de Grand-Gouave. Dans le parc Rich Cotel, Casimir Rangers de Miraguane a joué contre Accolade de Fondenègre. Dans le parc Saint-Louis du côté de Jérémy. Jérémy Football Club dimanche 8 avril 2018, 4h a joué contre AS Aquin. Toujours dimanche, dans le parc Férus du côté de Grand-Gouave, gagne équipe ASG Géant qui a joué contre Éclair de Petit-Gouave. Alors que dans le parc Maranata d'Olivier, Éclair de Petit-Gouave a gagné pour jouer contre équipe Ouagan jeudi 12 avril 2018. Là. Bon, et tout le monde allait dans match, mon tapette yo dim et yo gen maillot tout et bon et tempête et tempête gen gen maillot. Oui. Et tranche melon en bas mais deuxième bleu à tempête et li bon et continuer comme ça avancer. Mais bleu ça, oui. Ma poule. Oui, ma poney. Bleu a intéressant. Et vous voyez combien lié, combien le paillé, ben moi vous me connaissez ça m'a. Non, m'gen tangé combien lié. M'gen tangé combien lié. Eh ben la frappe. Non, bien m'a faut venir une pour moi. Eh ben pas un problème nous là. Donc mon tapette yo et frapper comme ça. On bat football on tibagay, on nous bat basket on tibagay, soit dit. Où qu'on aime t'as pointé ouais ça c'est toute équipe t'es entré dans politique ça. C'est ça n'a pas goûté. Le sam t'as pointé vrai qui monte en ville qui aime mon qui aime ville y'a vrai. Carrément. Où qu'on au cap t'as pointé premier prix. On dit ça. On me dit t'en peux pas un fanatique lui même. Jamais au cap là là, me garantis même si Fika ou ben un second mille maillot y a bani popo. Ils sont pensés. Ils pensent ça. Eh ben dans ville Saint Marc mon y'a rien mais équipe y'a tout. Où t'as dit ça. Il a pas acheté maillot. Comment fait pas acheter maillot. Bon naïf pas acheter. Bon ouais, moi garanti. Si mon Léogan fait ma ou y a vann. Mon Léogan? Oui. Y a pas acheté? Ah. Eh ben ok. Ou a dit m'de dieu. Ma pla, ma boue. Bon, m'lan se challenge ça. Hein? Qui est-ce qui a vann plus oui. Ma ou? Pour moi, qui équipe qui a vann plus ma ou? Ah, Léogan qui doit gagner. Gen? Léogan beaucoup gagne ma ou. Eh mais beaucoup gagne, mon Léogan t'a pensé là. Y a pas l'été comme ça, y a pas l'été indifférent. Y a pas l'été comme ça, oui. Ma p'tan, bon m'lan se défi ya. On nous quitte football très rapide pour nous parler de basketball. Il y a une fédération haïtienne de basketball présidée par Joseph Henri Jean.
de concert avec compagnie téléphonie mobile Digicel, à travers une conférence de presse journée jeudi 5 avril 2018 là dans l'hôtel Marriott Turjo, lancé officiellement pour la première fois programme basketball Jumpstart Digicel NBA en Haïti, un programme qui visait à détecter meilleurs talents et ses timoun de 12 à 14 ans et déjà programme basketball Jumpstart NBA Digicel là formé plus passé de 430 jeunes participants âgés de 12 à 16 ans, petites filles et petits garçons dans plus passé 8 pays dans le Caraïbe. Eh ben Anguilla, Antigua, Barbade et Barbuda, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Trinidad et Tobago, Ultiken Caicos et pour l'instant c'est Haïti. Fédération haïtienne de basketball à travers l'IGIO a bien pour réaliser plusieurs camps de détection dans différentes zones dans le pays pour recruter 72 timoun soit 48 garçons avec 24 tifi. Et donc cap haïtien le 7 avril nan, et donc gymnasium nan dans centre sport pour l'espoir 14 avril et puis pour le gagner eh bien nan eh bien et CFC Babiol soit le 21 y a gagner pour capable continuer eh bien quand détection si là faut mentionner Stéphanie Augustin manager marketing Digicel dans déclaration le parler de importance Digicel Jumpstart là dans pays hein, et d'émission et à travers Digicel c'est aider jeunes à réaliser rêve qui ça que Digicel Jumpstart est Digicel Jumpstart c'est des jeunes haïtiens qui talentueux dans basket que n'a pas chercher pour la première fois qui pral vini même gens avec dans les années nous t'ai connait faire pour Digicel Kickstart qui c'était pour football mais année ça nous concentrer nous sur basket jeune a vini ici et n'a recruté de tout côté dans province et à Port-au-Prince y a vini pour faire un entraînement avec des coachs de la NBA qui a rentré en Haïti. Ça fait déjà 4 ans que Digicel Jumpstart a fait à travers l'autre pays marché Digicel yo. Mais comme on dit nous, c'est pour la première fois que Haïti a fait Jumpstart ça. Nous prenons rechercher 72 jeunes filles avec garçons de 12 ans à 16 ans. Timoun yo c'est de 12 ans à 16 ans. 72 timoun Cap Vini qui va jouer un entraînement spécial avec coach basket Sayo et peut-être un joueur dans NBA. Bien sûr, un haïtien qui va rentrer vin jouer avec Timoun Sayo pendant 2 jours. 2 jours Sayo, il a fait en mai, 12 avec 13 mai Cap Vini. Nous avons commencé en février pour sensibilisation et inscription. Nous avons commencé sur les social media. On a pu que sur la page Digicel, on a eu des fiches qui demandent à Timon si nous avons en 12 ans à 16 ans, nous avons enregistré pour Digicel Jumpstart. De là, nous joignons 136 Timon qui ont appliqué. Et moi-même, avec le président, nous avons chita ensemble pour nous garder fiches. Malheureusement, nous toutes 136 timoun sa yo pas qualifié parce que grand pile jeune qui t'a rien mais participer mais yo pas gain l'âge nous jeune en pile 17 nous jeune en pile 20 nous jeune 25 mais on connaît que c'est le 12 à 16 donc 236 ça moi descend à 35 timoun 35 timoun sa yo yo invité yo gain 4 cap saute au cap donc samedi yo va participer dans tryout au cap là reste yo vini pour Port-au-Prince, donc il y aura l'CFC ou bien Centre de l'Espoir. Après SSIO, date pour nous Kembe, c'est 7 avril pour Cap Haïtien, 14 avril Centre de l'Espoir, 21 avril Cap Fed CFC. De SSIO, Fédération pour en choisir 72 participants, yo, qui c'est 48 petits garçons. Avec 24 filles. Simon Sayo va participer dans la clinique nationale le 12 et 13 mai avec entraîneur NBA qui rentre en Haïti. Quatrième phase, meilleur joueur qui a sélectionné de 72, Simon Sayo a reparti avec membres de la fédération en tout. Nous prenons la Jamaïque avec. Nous prenons affronter l'autre Simon. Et de là, si il y a un petit haïtien ou bien une petite haïtienne qui est qualifiée, il peut aller
en octobre, la partie New York ou bien. Voilà, c'était réaction ben Stéphanie Augustin, manager marketing d'IJCEL. Joseph Henri Jean, président Fédération haïtienne de basketball, dans déclaration dit c'est une opportunité en plus yo gagner au niveau de la Fédération haïtienne de basketball pour mettre talent jeune yo en évidence et dit c'est un privilège pour accueillir une telle activité. Au niveau de la Fédération haïtienne de basketball, c'est vraiment un privilège pour accueillir et IJCEL Jumpstart qui fait dans tout pays, notre pays caraïbio, et c'est la première fois que la fête en Haïti. Et c'est, je ne sais pas, c'est la quatrième édition, et son opportunité pour nous jeunes talents, pour nous mettre en exergue. Et j'en ai fait, et c'est que nous-mêmes, du côté de la Fédération haïtienne de basketball, nous voulons des try-out, et pour nous capables de recruter, en fin de compte, 72 et Timoun. Chouatio, il a commencé samedi et n'a pas commencé samedi dans le nord au Cap-Haïtien et le nord a couvert tout le nord là, l'a couvert Port de Paix, l'a couvert Wanamet, Fort Liberté, etc. Une semaine après, le 14, n'a fait les centres de l'espoir, centre de l'espoir lui-même l'a couvert et Plateau Central et le 21 enfin n'a fait le CFC. CFC lui-même a couvert et Port-au-Prince et zone sud là. Et comme ça, il est capable de gagner 72 timounes et qui pourra la crème de la crème de jeunes nouveaux parce que et la fête à plusieurs niveaux. Premier niveau A, c'est et NBA et c'est IJCEL Jumpstart qui a fait et le 12 et le 13 mai. Ensuite, et, quoi, en août, il a gagné 5 et jeunes petits garçons et 3 jeunes petites filles que il a recruté de camp 72 Simon Sayo qui pour aller Jamaïque parce que on connaît destination de changer Jamaïque qui pour aller connait affronter l'autre Simon l'autre pays yo. Parce que pas oublier que en même temps la fête dans 9 autres pays parmi lesquels Montserrat, Turquenkekos, Jamaïque et Barbados etc. Donc et Timoun Panouyo pour affronter Timoun 9 autres pays. Et ainsi, je crois qu'il a fini avec un effectif de 8 garçons et 6 filles. Ligue ses yeux, fédération dans toute profession. Donc c'est normal pour un événement comme ça, nous ne pouvons pas faire Ligue sans que nous ne travaillions de concert avec Ligue. Donc c'est Ligue, par exemple, Ligue Cap déjà mobilisé, Ligue Cap et tout grand nord, Ligue déjà. Et choisir tout le monde qui est tout grand noyau, qui a venu, qui a participé, peut-être nous avons gagné entre 100 et 120 personnes, cap au cap, et qui va participer à le premier chariot qui a fait au cap là. Vous avez raison, c'est Ligio, c'est à partir de Ligio que nous avons passé pour capable de jouer un petit monde. Voilà, c'était déclaration, président Fédération haïtienne de basketball, Joseph Henri Jean. Et je pense que c'est une très bonne initiative, mais qu'on y a là arrêté pour être capable de mettre en évidence talent jeune ça pour pas quitter ou aller puisque un problème de continuité. Et faut mentionner gagner et championnat européen qui va en activité pour le week-end ça et des possibilités pour plusieurs équipes capables de connaître et sacre pour le week-end ça. J'ai d'ailleurs à l'image de Bayern Munich qui est capable encore une fois de soulever le trophée, si et seulement s'il gagne Osberg. Mais tout et Manchester City, il est capable de lever le trophée hein, s'il gagne match lien. Et en France, Paris Saint-Germain, s'il gagne match lien, il faut le retenir une défaite de la part de l'AS Monaco pour le capable de connaître ce que l'a sacré champion. Donc là, c'est trois géants européens qui comprennent que yo te travaille bien, faut que récompenser. En parlant du Bayern Munich, faut que nous dit gain Manuel Neuer qui tourne à entraîner. OK, c'est bon pour sélection. Avec depuis en septembre, il pas monté terrain, il était blessé dans pied, mais l'a entraîné connait avec seul objectif Coupe du monde là. En effet, donc là il dit Marc-André ter Stegen l'a assuré place lui. Mais Manuel Neuer lui-même l'a poussé. Il voulait prendre place. Ben Leno, des gardiens qui va gagner pour voir avec football. En parlant de la Coupe du Monde, il faut que nous disions tout. Et FIFA a annoncé le vend 1 700 000 billets. Oui, 1 million 700 000. Mais il faut déjà annoncer nous tout comme un monde qui checkil. OK? Non, mon va venir. Il faut demander, même pas. Ce n'est pas un monde qui a vu. Ah, FIFA dit le vend. FIFA dit le vend combien 1 million. Mais il faut déjà dire combien de monde qui a checkil déjà. Son télévision mondiale ou gagne.
yo pa tien groupe.